Alors, la Villa Verveine s'appelait comme ça quand je l'ai vue. Donc voilà, c'est un nom que je trouve assez doux et qui correspond bien à ce que j'ai voulu en faire. Après, ce qui m'a le plus tilté, c'est le fait qu'elle soit au 21. Parce que le 21, c'est la carte du tarot de Marseille qui représente le monde. Et comme à l'époque, j'avais peur du monde extérieur, en fait, je me suis dit, bon, ben, puisque j'arrive pas à aller dans le monde viendra jusqu'ici. À 6 ans, j'ai fait un dessin et tout le monde l'a trouvé très joli et on m'a complimenté. Et moi, j'étais dyslexique et c'était très inconfortable. Et donc, quand j'ai vu que tout le monde comprenait ce dessin et le trouvait joli, je me suis dit, bah voilà, là, je vais enfin pouvoir dire ce que j'ai à dire. J'ai passé toute mon adolescence dans une école religieuse où j'étais pas du tout, du tout à ma place. Et heureusement, mon grand frère, que j'admirais énormément, lui, a pu se révolter et être punk. Et du coup, il m'a montré le chemin de la liberté et ça m'a beaucoup influencé dans mon travail artistique. Alors, j'ai fait une école de graphisme, mais pas vraiment par choix, parce que je voulais que dessiner. En fait, je suis allée avec ma mère m'inscrire là, c'était plus rassurant pour eux aussi, je pense, que les beaux-arts. Par contre, les professeurs et les directeurs de l'école ont tout de suite compris que c'était pas la peine de me forcer à faire quoi que ce soit, donc ils m'ont laissé vraiment beaucoup de liberté et être moi-même. Alors tous mes amoureux, c'est des chats, parce que comme ça, je prédéfinis pas un amoureux. Il pourra jamais ressembler à un chat. Donc je me fais pas de film, quoi. Sur un blond, un brun, c'est un chat. C'est peut-être les chats qui sont le plus à même de supporter mon univers, quelque part. Ça, c'est ma grand-mère que je dessine. En fait, je la dessine partout. En fait, elle est en fantôme et tout. J'ai l'impression que quand les gens ils sont morts, on y pense quand même tout le temps. Peut-être presque encore plus que quand ils sont vivants, en fait. Ils sont tout le temps là. Donc, je la dessine tout le temps.
On la reconnaît à sa chevelure blonde. Et elle est là pour nous protéger. Tip top, tip top, tip top, tip. Tip top, 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 la 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 top, tip top, la 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 top, tip top, tip top, tip tip tip. Quand je suis arrivée à Holt, face à la mer, j'ai ressenti une énorme émotion. Et je crois que c'est ce qui a inspiré mon travail, parce que je me suis sentie beaucoup plus proche de ce qui se passe autour de moi. Je ne me rendais pas compte de ma différence, en tout cas de l'impact que ça avait sur les autres. Mais les gens d'ici me l'ont quand même fait sentir au début, et ça a pu aller très très loin. Ça a été très très dur pour mes proches et pour moi. Et puis avec le temps, bah, les Holtois se sont habitués à moi. Ils ont compris que j'étais normale, que je travaillais, que, voilà, que c'était ma façon de vivre, mais que je n'étais pas un danger pour eux. Et moi, j'ai appris à mettre des limites et à prendre du recul aussi, à prendre moins ça de façon personnelle et à les comprendre aussi. Donc je la dessine très très régulièrement et en général c'est mon mariage que je dessine à la chapelle. Est-ce que c'est là que tu t'es mariée? C'est là que dans une vie, une sorte de vie, je pourrais me marier. Donc je me marie souvent là au pied de la chapelle de Nival. Tu regarderas dans mes dessins à la maison. En sortant de l'école, j'ai travaillé à Beaubourg où j'ai très très vite rencontré le père de mes enfants et on est devenus de suite parents. Et finalement, quelque part, j'allais dans le chemin qu'on me prédestinait, c'est-à-dire être mère, avoir une vie, entre guillemets, normale. Alors, je suis restée avec le père de mes enfants pendant 12 ans. Et pendant ces 12 années, en fait, c'était, pour moi, c'était lui qui devait réussir. C'était lui qui portait la famille, c'était lui qui était intelligent. Je continuais à dessiner, mais c'était sans importance. C'était, voilà, ça prenait beaucoup de place quand même dans mon emploi du temps, mais pas de façon professionnelle. Je misais tout sur lui. Ce qui, évidemment, était un peu lourd, j'imagine, à porter. Et il est parti, donc, au bout de 12 ans. Bon, par contre, j'ai assez vite quand même commencé à investir la maison. J'ai peint les enfants au plafond pour les protéger. C'était important pour moi. J'ai fait la façade de la maison. Tout ça, c'était vraiment dans un but un peu égoïste. Et j'ai commencé la démarche à vendre mon travail quand il est parti. Parce que là, c'était vital pour moi. En fait, il fallait que je ramène de l'argent à la maison. Pendant longtemps, j'ai fait des poupées pour chaque personne de ma famille parce que j'avais peur qu'elle meure. Et en fait, à chaque poupée, j'attribuais un organe précis. Et cet organe, hélas, tombait malade. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il tombait malade. Donc, quand le père de mes enfants est parti, je me suis dit, bah, puisque ça marche comme ça, voyons si ça ne peut pas marcher dans le sens où ça va m'amener des choses positives. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait des poupées de façon assez obsessionnelle sur l'amoureux, puisque pour moi, à l'époque, c'était encore mon but, trouver un amoureux. Ouais, évidemment, ça n'a pas marché. J'ai eu plusieurs amoureux. Ça a été la catastrophe à chaque fois. Mais par contre, ça m'a aidé à guérir de la peur d'abandon. Et ça a mis aussi en lumière ce que je devais changer en moi pour pouvoir aimer véritablement. Et aimer véritablement, c'est aimer tout ce qu'il y a autour et pas qu'un amoureux. Et en plus, voilà, la question c'est qui peut vraiment vivre avec moi dans cet univers. Thank you.
Salut Hélène. Coucou. Je t'attendais. Ça va? Ça va et toi? Oui, je vais te montrer mes dessins là-haut. Ah. Avec la chapelle de Nivelles. Ah. Et la voilà. La voilà. Donc voilà, tu vois, elle est centrale. Parce que j'aime bien dessiner là où je vis, ouais. Holt. Puis en plus, j'adore Holt. Là, tu as un couple d'hommes. Parce que c'était au moment, tu sais, des tortures sur les homosexuels, ouais, en Tchétchénie. Ouais. Et c'est ce qui m'a poussée à dessiner. Là, tu as Ulysse et Marie, parce que j'aime bien qu'ils soient toujours là. Comme ça, ils peuvent partir après faire leur vie. Oui, ils veulent. Voilà. Et mon amoureux chat, qui est tout le temps là. Voilà, celui qui reste avec moi. Et, c'est marrant, on dirait une petite tête, ta chapelle, avec une grande bouche et tout. Moi, ça, ils dessinent souvent les bâtiments comme des êtres vivants. En fait, j'aime bien dessiner ce qui m'entoure comme des choses qui vivent, même si, tu vois, elle est aussi protégée. En fait, tu vois, il y a à chaque fois des auréoles, comme dans les icônes religieuses, un peu. Tac. Et ça nous protège, donc la chapelle, elle est aussi protégée. Ben oui, ils ne sont pas protégés. Ouais, c'est vrai, ben, à la fois, les pauvres, ils n'ont pas été trop protégés. Hein, puis, mais tu aurais pu leur donner une chance. Ouais, c'est vrai, en fait, je l'ai fait totalement inconsciemment, je ne les ai même pas protégés. Là, après, tu vois, tu as toujours l'église de Holt. Celle du centre. Voilà. Et ma grand-mère qui est souvent là en fantôme pour protéger tout le monde. Et bon, t'as toujours les cœurs, hein, à chaque fois sur chaque dessin, comme dans la maison, tout ça. Parce que bon, c'est toujours sur l'amour qui est difficile à trouver dans la vraie vie. Mais c'est bien parce que ça a bien, bien évolué quand même. Donc là, je fais une tapisserie. Et sur la tapisserie, je me représente. Alors, c'est pas que j'adore mon image, mais en fait, en me représentant, je mets sur cette personne qui est mon futur moi tout ce que je désire dans la vie. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des vrais cheveux. Grâce à ça, ça va rendre l'acte magique plus efficace. Après, je prends toujours des symboles qui changent en fonction des tapisseries. Là, les étoiles pour porter chance. Et là, le motif panthère, pour que malgré le temps qui passe, bah, je reste à peu près potable. Alors en général, je rajoute des mots dans les tapisseries. Alors ces mots-là, ils ne sont pas faits pour être lus. Bon, ça, des fois, je peux le laisser lisible. Des fois, il y a des mots plus secrets que je ne peux pas dévoiler. Donc je le plie comme ça. Et je le mets, mais n'importe où, parce qu'en fait, dans les tapisseries, c'est vraiment l'esthétique, pour moi, c'est pas important. L'important, c'est vraiment de vite nous protéger. En fait, voilà, mon travail, je crois que mon travail me guérit avant tout de toutes mes inquiétudes.